Coucou tout le monde! Coucou! Bon bah écoutez, on démarre un petit vlog aujourd'hui. On est juste tous les deux dans la voiture, mais Jen n'arrête pas de me poser une question. Où on va? Où on va? Bon bah, t'as pas une petite idée? Non. Regarde les panneaux. Non! Alors, d'après toi? Quelqu'un qui vient ici, soit c'est nous qui allons quelque part. Nous qui allons quelque part? Ouais, mais on est que tous les deux. Oui, mais... On laisserait pas maman et Josh? Ah, je sais, alors c'est quelqu'un qui vient. Et c'est qui vient? C'est notre grand-mère. Ah, mamie qui vient nous voir? C'était une surprise. Oh oui. Ça c'est cool, hein? Bon, on retrouve tout le monde tout à l'heure? Oui. Le fameux panneau. Mais on est samedi, veille de Noël, et on fait la queue. Voilà, on attend pour accéder à la gare. Bon, bah nous on voit le TGV arriver, mais enfin on l'imagine, mais de la voiture. Hein? Puisqu'on est coincé malheureusement. On se retrouve? Alors ça y est? Oui. On a récupéré le colis? Oui. Oh, alors? Ça te fait plaisir? C'est bien. C'est cool? C'est bien d'avoir oui. Sa famille avec soi pour passer Noël? Génial. On va essayer de s'éclater un peu? Oui. Super. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou. Ah, tu m'as trollé tout à l'heure. Hein. Il est parti faire quoi? Je sais pas. Coucou. Alors, qui c'est qui est là? Mamie. Cool, hein? Ouais. Elle est venue pour réveillonner avec nous? Ouais. Et vous le saviez pas? Non. On vous a eu. Petite surprise de papa et maman. Oui. Et mamie. Oui, accessoirement. Bon, c'est cool. Oui. Allez, on va aller se balader un peu. Oui. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon ben voilà, je me retrouve de nouveau avec les enfants derrière. Chaque fois que votre grand-mère elle est là, je me retrouve derrière. Hein. Oui. Non, je monte volontairement derrière pour la laisser devant. Tu veux nous faire part que t'es gentille? Bah, je suis gentille. Sympa. Oh, t'es vilain. J'arrive dans le salon, je vois ça. Et en fait... C'est papa qui a fait mumuse avec des pétards. Ah bah c'est malin. Et qui c'est qui va nettoyer maintenant? Pas moi. Alors on est revenu à la maison pendant que papa et la grand-mère sont allés faire un petit tour sans nous. Voilà. Du coup la puce avait envie d'ouvrir ses calendriers de l'avant, donc on va faire ça tout de suite. Alors cette fois-ci on va ouvrir celui-ci avant qu'il fasse... nuit, puisque c'est vrai qu'en général on l'ouvrait le soir, mais là vu que c'est le dernier jour, on va l'ouvrir avec vous. Est-ce que tu peux nous trouver la case 24? 24. Tu l'as trouvée, c'est bon? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est Vacation Kids pour les ciseaux. T'as pris les ciseaux, c'est bon, c'est ouvert? Alors c'est quoi? Oh, trop mignon! Moi j'avais eu ça. Ça, t'as eu dans la case du 22, c'est ça? Oui. Voilà. Ok. Oh super. Ah, tu vois les cadeaux quand on se rapproche de la fin du mois en général ils sont plus sympas. Du coup on va vérifier si c'est le cas pour le calendrier troll. Alors, il y a quoi dans la case 24? Poppy. Oh là là, bah oui c'est le plus joli cadeau du calendrier. C'est Poppy. Ouais, t'es contente? Oui. Bon, et dans la case de chocolat, bon bah là je pense que ça va juste être un chocolat classique, hein, chérie. Je pense pas que ça va être quelque chose de très spécial. Il est beau, elle est belle, pardon. C'est une fille. Ouh, c'est Poppy, c'est la fille. Et donc la case 24. 24, elle est là. Hop là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Un champignon? Bah oui, on dirait un champignon. Tiens. Mange le champignon. Celui-là, on est sûr, il est comestible. Ouais. Donc voilà, il y en a déjà une qui va pouvoir jeter ses calendriers de l'avant. Toi aussi, Loulou, t'as fini le tien? Oui. T'as pris la case 24 aussi déjà? Le chéri l'a prise aussi. Il n'y a que moi qui n'ai pas encore pris mes cases 24. Mais j'attends un petit peu, je vous le ferai un petit peu plus tard dans le vlog. Et pour le concours du 24 décembre et donc pour vous le 25, puisque vous verrez ce vlog seulement le lendemain, j'ai décidé de vous faire un lot un petit peu plus gros qui vient de chez Kiko. Donc je vous ai remis un lot de vernis de la collection des fêtes, je vous ai remis un bronzer
et une palette pour les yeux que je trouve juste magnifique. Et voilà, ce sera le lot entier qui est à gagner. Pour participer, comme d'habitude, vous cliquez sur le lien en barre d'infos, vous laissez guider. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. J'avais envie que le dernier cadeau soit plus gros que tous les autres. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs produits et je les trouve vraiment tous superbes. J'espère que ça vous plaira. Et donc, on vous retrouve pour l'ouverture des dernières cases des calendriers de l'Avent Glossy Box et NYX. Ma chérie, je te laisse le faire. La case 24 de chez Glossy Box. Elle est très grande. Elle est grosse. Est-ce qu'elle est... Oh, c'était déjà ouvert, ça s'était ouvert pendant le transport. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça? C'est de la marque Patchouli. C'est de la marque Réminiscence. Ah. Et ça s'appelle Patchouli et c'est une eau de toilette. Tu sais que moi j'aime le patchouli, mais c'est une odeur qui ne plaît pas forcément à tout le monde, je pense, comme beaucoup de parfums. Oh, c'est beau. Le flacon est super joli. Regardez, ça fait très très fête. J'aime beaucoup. Oui. Et au niveau de l'odeur, on sent. Moi j'aime bien. C'est une odeur assez chaude en fait. Moi j'aime bien. Ça le plaît. Pas mal. Franchement, c'est un beau cadeau. Là, sur cette étiquette, je ne vous l'ai pas dit tout le long du mois parce que je ne voulais pas que ça dure 107 ans non plus quand je déballais le calendrier de l'avant. Mais en fait, il y a tout marqué sur la petite étiquette, les prix et tout. Et ça, c'est quand même 57 euros l'eau de toilette. Donc, je pense que c'est un joli cadeau à trouver dans la case 24. Et chez NYX, à mon avis, ouais, ça va être soit une ombre à paupières, vu la taille, c'est ça. Oui. Est-ce que tu arrives à la sortir? Oui. C'est le Morocco. Quelle couleur c'est Morocco? C'est du marron. C'est joli, c'est marron mat. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment très joli également. Mais il faut également ouvrir la dernière case du calendrier M&M's. Le 24 est, le tout, 24 en est tout en haut. Est-ce que ce sera des M&M's jaunes? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, marron, des M&M's marron. Jaunes. Oui! Ce sont des M&M's pour maman. Bon, en même temps, c'est mon calendrier de l'Avent quand même. Bon, je t'en donnerai si tu veux. Mais non, tu les aimes pas. Je suis désolée. Pas trop avec la cacahuète. Ouais. Mais on a acheté un gros paquet marron hier. Avec des M&M's comme ça. Donc je pense que c'est bon, tu as ce qu'il faut comme M&M's. Oui. Ok. Et voilà tout pour l'ouverture des dernières cases. Ce qui veut dire que demain, c'est... Noël! On ira plein de cadeaux. Oh bah ça c'est pas sûr, hein. Faut d'abord avoir été sage. J'étais sage. Ah, on verra la quantité de cadeaux qu'il y aura sous le sapin. Ouais, on va voir. D'accord. Alors, je suis montée sur le lit de Loulou, le lit mezzanine. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il tient toujours. Il n'est pas tombé. Il cassé. Ah, sois pas vilain comme ça. Et bah voilà, on a fini le repas de Noël avec la grand-mère des enfants. Du coup, là, ben, c'est un petit peu l'heure où les enfants ont envie d'aller vite, vite, vite se coucher pour être vite, vite, vite demain matin pour pouvoir découvrir les cadeaux. Ouais. Non, ça marche pas. Donc, on va arrêter ce petit vlogmas pour aujourd'hui. Je pense qu'il aura été très très court, mais aujourd'hui c'est un petit peu la course de dernière minute, aller chercher la grand-mère à la gare, tout préparer. Donc, je pense que vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. Donc, on espère que vous aurez tous passé un excellent réveillon au moment où vous verrez ce vlog. Et on vous retrouve, nous, dans un vlog demain, donc après-demain pour vous, pour vous dire un petit peu comment se sera passé le réveil, hein, le jour de Noël. Mais je vous en dis pas plus. On vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Something magic that never gets old. When the stars are more clear and the air is cold. And you see it all over the place. Towning glitter puts a smile on your face. So light up a candle and let it be days of grace.